Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir. Donc aujourd'hui, Weasel Rock Echo. Donc le voici. Bon, comme à l'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc il existe 4 versions. Donc la colorie noir, doré, bleu et vert. Selon Weasel Rock, Echo, c'est par rapport à économique et écologique. Par rapport au rasoir de sûreté, voilà. Voyons tout ça de plus près. Donc tout en alu, le manche dans les 9 cm. Pour un poids dans les 38 grammes. Donc au derrière, voilà, Razor Rock Echo. Voilà la lame, donc pas évident hein, de voir l'exposition. Et donc voilà 4 picots où on place la lame et après voilà. Donc rasoir à lame à simple tranchant, donc comme vous l'avez vu, hein, il suffit de couper une lame en deux et de l'insérer. Voilà, c'est des lames à double tranchant qu'on utilise. Et pour ce faire, je vais aussi utiliser des produits Razor Rock. Donc là, le Hulk, donc la brosse, elle est énorme. Celle-là, je l'ai prise chez Paolo Barasso quand je me suis fait raser chez lui au coupe-chou, la vidéo de la dernière fois. Voilà, donc là, le diamètre, il fait 34 mm. Je l'ai pas trop testé, donc je vais le faire avec vous. Et là, le savon Fort New York. On va en parler pendant le bérotage. Je vais me préparer à toutes. Donc ça, c'est un blaireau, on va dire taille standard. Donc voilà à côté la belle différence. Allez, donc le prélèvement. Je vais essayer de pas en foutre partout. Et donc moi, en fait, le savon Fort New York. Donc j'ai l'ancienne formule à base de suif, et la nouvelle formule, elle est végétale à base de karité, huile d'argan, aloe vera et lanoline. Oh, c'est pas mal le chargement. Mettre un petit chouïa d'eau. Je pense que ça va aller. Vu que la touffe est grosse, hein, je préfère faire un beau chargement. En même temps, bon, c'est du synthétique et en général ça monte vite. Donc du coup, ben, la mousse, faudra pas se fier à celle-là. La senteur. Donc New York, en fait. Razor Rock avait sorti, moi ça fait, je crois que celui-là ça fait 3 ans que je l'ai, avait sorti un savon Fort Chicago. Donc il y a eu des demandes pour faire New York. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inspiration. Dans la description, ça parle juste de Wall Street. Mais pour moi, c'est un barbershop marin. Donc barbershop, mais pour moi, c'est une senteur fraîche et propre. Mais là, il y a une touche d'air marin. J'aime pas mal cette senteur. Donc là, mousse monte bien. Le blaireau, il est bien doux. Et en fait, ça va l'utilisation. Je pense que ça aurait été plus difficile. Genre, je m'en fous partout, mais ça va encore. C'est gérable. À l'essence du poil,
Donc moi je trouve la tête plutôt intuitive par rapport à, on va dire, l'angle, façon de parler, parce que c'est pas vraiment un angle, mais là, la forme qui est préétablie. Et j'aime beaucoup la prise en main, franchement c'est super léger et ça me plaît pas mal. Du coup, vraiment pas besoin d'appuyer. En fait, je pense que c'est vraiment avec des rasoirs comme ça qu'on sent si on met de la pression ou pas. Plus il est chantant, hein. Donc là j'avais une barbe de 2 jours. Et voilà, première passe impeccable. Ça débroussaille bien. Et la tête, mais ça se bourre pas. Rien à signaler. Allez, contresens. Donc en fait, je viens carrément plaquer. Toujours du mal à vous montrer, c'est l'angle. L'angle de vue à contresens. Ouais, ça fait bien le boulot. En fait, ça reste un rasoir super doux. Super doux, mais ça reste efficace quand même, ouais. Bon, je pense quand même que je vais me faire des retouches. Fait, c'est rare quand j'ai pas besoin de retouches. J'ai le poil vraiment bien dur. Mais globalement, franchement, ça fait le boulot impeccable. Ouais. Et une belle douceur, efficacité. Et même le super léger, ça me plaît bien en fait. Allez, je vais me rincer à toutes. Depuis le temps que je le fais, je vais vous en parler. Je pense que ça doit faire peut-être 1 an et demi ou 2 ans que je fais ça. En fait, la mousse qui reste dans le blaireau, toujours, je la récupère. Et en fait, je vais me l'étaler sur le visage. Le temps en fait de faire la vaisselle quoi. La vaisselle, tout nettoyer. Donc je fais un bon massage avec. Mais en fait je trouve que genre quand si j'ai des points de sang et tout, bah, ça va aider à les faire disparaître. Et je trouve même par rapport à la peau, ça adoucit la peau. Enfin je sais pas, ça fait une belle sensation. Voilà la mousse restante, au lieu de la gaspiller. Mais attention, parce que c'est vrai que depuis le temps que je fais ça, j'hésite à en parler. Attention, ceux qui ont la peau sensible, ne le faites pas, parce que bon, ça reste un savon. Et qui dit savon, à la base, c'est un savon, c'est, on va dire, entre guillemets, un détergent. Donc ça pourrait vous agresser la peau et vous causer des rougeurs ou pas mal d'autres trucs. Moi, j'ai une peau de merde, mais j'ai pas de problème avec... Genre les huiles, tout ça, tout le bordel, le menthol, je supporte tout. Donc voilà, pour vous en parler, viteuf, donc vous voyez, je fais ça.
Je rince tout et puis de toute façon, en même temps que je rince, après la mousse elle se désagrège et puis comme ça je me fous un coup à l'eau froide. Puis voilà, ce que je viens de faire avec la mousse, sur un forum espagnol, ils appellent ça la mousse de confort. Et ben voilà pour ce test de rasoir. Donc ben moi ce que je retiens c'est vraiment le poids. J'aime beaucoup en fait là la légèreté que ça fait. Pas besoin de mettre une pression, ça tranche tout seul. Il est doux, il est efficace. Puis voilà. Et donc en fait, je pense que pour ceux qui aiment les rasoirs à simple tranchant, mais qui doivent utiliser des lames spécifiques où il n'y en a pas beaucoup, ben celui-ci en fait, ça permet d'utiliser sa lame préférée à double tranchant. Voilà, je pense que j'ai pas de comparatif à faire. De toute façon, ce que j'ai testé, ça remonte à peut-être le dernier à facile 2 ans. Donc depuis ce temps-là, ben, l'eau a coulé sous le pont. Et je sais plus trop les sensations que ça fait, mais voilà pour ce rasoir-là. Allez, donc l'après-rasage, Fort New York. Donc comme je disais, hein, ça fait vraiment un air marin. Ça sent pas non plus la moule, hein. Pas de soi, hein, mais ça fait salin, ouais. Elle est pas mal aussi l'après-rasage, ouais. Peut-être un petit peu différent du savon, mais on s'y retrouve. Et puis voilà. Mais le Hulk aussi, en fait, mais pas de difficulté au montage. J'y pense. Il est derrière à sécher là. Parce que franchement, il fait sa taille. Hein, voilà. Donc au début, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spécifique sur le New York, sur lui. Puis j'ai dit, bon, allez, je vais faire un tiers groupé. Puis voilà, je pense pas que vraiment il y ait besoin de faire une vidéo spéciale là-dessus. Razorwalk Huck, voilà. Je pense pas, après s'il y en a qui le veulent, mais honnêtement, non, je pense que ça s'est vu pendant la vidéo. Puis voilà, puis je verrai si j'ai l'humeur d'en faire une spéciale, je verrai là-dessus. Puis voilà, ben j'ai tout dit, hein. Je pense que oui. La vie du rasoir, c'est ok. Le savon, ben le savon nouvelle formule que je n'ai pas. Donc moi j'ai l'ancienne, donc ça va être difficile de vous dire. Mais c'est surtout au niveau de la senteur. Voilà, comme je vous disais, quelque chose de frais, de propre, de marin, que j'aime beaucoup. Puis à vous. Bon ben on va se quitter là-dessus. Mais j'espère que cette vidéo-là, ce test, il vous plaira. Merci de l'usinage et bon rasage. Ciao.